Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé, pas oublier abonner avec Mombad Media Now. Et puis, ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie de l'équipe notification Mombad Media là. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. C'est toujours dans la lutte, ça. Nous avons engagé dans le gros combat ça pour nous jouer justice sur M. Doval. Donc, chaque 28, on connaît ce jour qui est dédié à M. Doval, qui même relie le jour Doval. M. Doval est engagé dans le dossier ça, surtout les différentes commissions qui ont été créées pour étudier les décrets, les quatre premiers décrets qui ont été publiés et que M. Doval a été positionné déjà sur l'inconstitutionnalité de ces décrets. Donc je dis, nous avons présenté le travail que la commission qui était chargée pour faire là, dans la conférence là. Et demain, c'est à partir de 9h, nous allons gagner un sitting pour réaliser toujours dans le cadre de commémoration ça, ou bien pour nous continuer dans la lutte ça, pour nous continuer à Kembe, flambeau ça, Kembe mémoire d'Oval. Programme, programme d'Oval de gagner comme candidat. C'est lui-même la cause, justement, parce que nous faisons partie de l'équipe. La commission qui est chargée pour faire là, dans la conférence là. Et demain, c'est à partir de 9h, nous allons gagner un sitting pour réaliser toujours dans le cadre de commémoration ça, ou bien pour nous continuer dans la lutte ça, pour nous continuer à Kembe, flambeau ça, Kembe mémoire d'Oval vivant. Programme d'Oval de gagner comme candidat. C'est lui-même la cause, justement, parce que nous faisons partie de l'équipe. Là. Et c'est à partir du programme ça qui nous permettre que tout ça ait gagné comme perspective. D'ailleurs, question commission permanente, les 9 commissions permanentes que M. Doval a créé, c'est un point dans le programme. Ça pour question de préparation des séances, des procès fictifs, etc. Et d'autres activités culturelles, socioculturelles, qui ont entré dans le cadre d'Oval. Mais nous n'avons pas beaucoup de détails, puisque nous pouvons entrer, commencer à réaliser. Mais dans une semaine ça, là, après et 28 ça, d'emblée, nous allons commencer à préparer le 28 décembre. Et en même temps, nous continuer à insister au niveau cabinet d'instruction, nous continuer à présenter des conférences, des débats, parce qu'il y a d'autres commissions qui travaillent sur d'autres points qui ont un rapport avec des décrets qui ont été adoptés par le gouvernement ou le président. Que même Doval est en déclaré inconstitutionnalité, que ce soit personnellement dans sa prise de position et dans la position collective au niveau de la fédération des barreaux, il est toujours bien. Et c'est sur ça qu'on a continué à avancer. On a avancé jusqu'à ce que nous bouclions le mandat. C'est sûr que nous ne pouvons pas faire tout ça que tu as envisagé. Peut-être dans le prochain conseil pour quelqu'un, il est capable d'associer ou bien peut-être avancer. Si pas qu'on est qui est le matonnier, mais dans l'époque ça, je conseille ça, il faut continuer le travail. Mais pour qu'on y a, nous allons préparer le centif. À partir de janvier, c'est pour faire le centif. Nous allons commencer à préparer. Et des commissions, pas des commissions qui vont créer, mais nous allons continuer tout dans la formation, continuer des avocats. Actuellement, nous allons parler avec des organisations internationales qui spécialisent dans la formation continue. Que nous-mêmes nous avons fait réunion, nous avons statué sur les différents points qui ont pour débattre dans la question de ça. Nous connaissons à cause des règlements intérieurs barois, fait obligation à tout avocat en dessous de 20 ans de profession pour continuer chaque jour à former des yeux à travers des séances de formation continue. Donc c'est sur ça. Nous avons continué de travailler sur lui et sur les autres prochainement pour aller former et pour aller inviter autour pour venir aider nous pour ouvrir l'événement ça. Nous faisons examen, nous faisons prestation de serment, tout le monde est dans le cadre normal et la commission a commencé à travailler tout. C'est la commission ad hoc qui a une commission de travail sur des frais. Mais nous avons l'autre commission autour qui a commencé à travailler parallèlement. Nous avons une commission scientifique qui travaille, nous avons une commission socio-culturelle, nous avons une commission sport. Nous avons une commission sur la sécurisation de la profession d'avocat, nous avons une commission pour la protection des avocats, nous avons une commission qui commence à travailler normalement. Donc, mais nous entrons en plein cap dans le programme d'Oval là. Okay? Donc, il y a des bagailles que nous avons continué à faire
toujours qu'à plus approfondir, mais c'est au fur et à mesure qu'on a avancé dans le programme. Là. Mais le programme d'emblée, il est applicable. Là. Nous avons d'autres perspectives, mais nous avons pour une surprise. Ok? Mais le mandat de M. Doval, là, on a fini de continuer le mandat de M. Doval, là, il y a des petits orientés qui ont apporté assurément. Ok? Mais, véritable surprise, nous quittons le délit, joignez-nous, on a fait une surprise le mois prochain. Hein? On a recommencé avec le procès fictif. Le sujet est déjà là. Maintenant, il nous faut choisir l'espace. Parce que là, nous ne pouvons pas faire là. Et puis, nous avons les avocats que vous nous choisissez, qui ont intervenu dans le procès. Il nous faut choisir le tribunal, etc. etc. Nous avons essayé, ouais, sinon, bon, nous n'avons pas laissé pour nous, ouais, si nous avons un juge normal et le commissaire. Comme si ce n'est pas avocat qui a joué le commissaire, et que si le commissaire a accepté le procès fictif là avec nous, pour nous, ouais, c'est en décembre là, c'est qu'à commencer avec le procès fictif. Quel que soit le procès pas jamais fait rapidement. Donc ça veut dire que nous sommes en phase enquête toujours. Puisque le juge d'instruction, il a une ordonnance pour et DCPJ continue enquête. Donc ça veut dire que DCPJ attend des monde toujours. Donc enquête ça a mené parallèlement avec le cabinet d'instruction qui attend des monde. Nous ne pouvons pas finir. Et nous ne pouvons pas finir. Instruction, on a droit à continuer et puis nous avons ordonnance sortie dans un an. Ordonnance sortie après, bien longtemps après. Et les ordonnances sont sorties. Ou bien nous avons joué une partie pas satisfait de l'ordonnance et puis nous font un recours contre l'ordonnance. Vous comprenez? Donc, et puis ça parle, dit, comme nous toujours dit, que son procès qui va finir en septembre, son procès qui va finir en décembre. Non! C'est en justice où il est. Ou bien nous avons, bon, pas dit que le procès ça va le faire 20 ans, mais il y a des procès en justice qui durent 20 ans. Vous comprenez? Le procès pénal ne va jamais durer autant. Pourquoi mais pour le process, on va en général qui prend pile de temps. On va dire que nous pensons que nous assez avancé comme ça. Puisque il y a nous avec Jujan et tout le bagaille a marché, enquête a marché, les CDJ a continué tant de monde pour le tendre. Okay? Donc vous pensez que dans pas longtemps, les CPJ a bail des rapports final. Et puis comme ça, et le juge d'instruction a continué tout lui-même. Voilà. Donc, ce n'est pas pour ça, pas marcher vite. Je remercie tout avocat dans toute juridiction dans le pays qui embrasse la cause, qui prend de position depuis le même jour de bataille, mourir jusqu'à aujourd'hui et qui continue la bataille. Nous remercions tout avocat dans l'autre pays qui prend position, qui organise des activités pour rendre que mémoire de bataille toujours rester vivant. Pour le monde connaît ça qui est passé. Nous remercions de manière spéciale la conférence internationale des barreaux qui lui-même a écrit président de la République là une correspondance côté que il mandait pour instituer une commission internationale d'enquête pour que yo capable bien possibilité pour faire lumière dans le dossier ça. Demain ça, par exemple, 15 suites qui baillent avec elle et il y a plusieurs structures internationales qui prennent même voie ça. Nous remercions. Et nous souhaitons continuer dans la même logique ça, faire pression pour que nous arrivions à joindre ça que nous avons demandé. Aujourd'hui, c'est pour nous un moment qui est difficile parce que nous avons quelques heures. Qui pral ban nous 3 mois depuis bâtonnier a disparaître dans façon nous tout connaît. M'pa pense que personne moun ki la capable accepter ça passé à tant qu'on lettre à la poste. C'est pour être ça. Nous même dans structure nous c'est Doval, nous juger bon pour nous faire un zoom sur ça passé à pour nous bailler population des informations, pour nous faire état des lieux de ça passé à depuis premier jour jusqu'à aujourd'hui. Depuis côté que DCPJ lui-même était saisi de dossier arrivé dans le cabinet d'instruction, il y a deux pièces qui déplacées. Je dis que c'est cambriolage, mais il y a une façon de cambriolage. En fait, nous-mêmes, nous sommes des hommes de loi, nous avons une façon de comprendre. Pour nous, c'est des déplacements de pièces et c'est à dessein. Pour ça,
n'a demandé population pour lui être vigilant, pour lui être bon côté, pour continuer à nous tout support qui est nécessaire. Parce que le travail que nous fait, la bataille que nous enclenchons, li pap ka abouti avec force par nous seulement. Maître Montpellier Doval, capable de justice, mais pour capable de parler causer peuple là, parce que le peuple là considéré comme des sans voix. Pas de monde qui tendait yo, les yo parler, et bien nous-mêmes. Nous fait de nous, avocats de la société, pour nous capables de défendre nous et côté parole là, côté yo même, mais pas côté. Alors, nous arrivons dans le troisième mois assassinat crapuleux, nous arrivons dans le troisième mois exécution lâche de notre cher bâtonnier, Maître Montferrier Dorval, côté jusqu'à présent, dossier à nos impasses, et que nous-mêmes, nous avons bataillé pour que nous soyons capables de faire ce dossier. Il y a un pile point d'ombre dans le cadre et assassinat Maître Montferrier Dorval. Et je dis, trois mois après, nous voulons éclairer l'antenne publique là davantage sous quelques points. D'abord, à côté de vagabondage qui fait dans quatre dossiers, à côté, quelques jours après, sinon deux jours après, assassinat Maître Dorval, il a retourné sous scène criminelle, il a souillé scène de crime. Commissaire du gouvernement, en l'occurrence, M. Gabriel Morel, t'a déclaré que scène de crime n'a sous contrôle parquet de Port-au-Prince, sous contrôle la justice. Cela veut dire que nous pas de gain pour nous peur, nous pas de gain pour nous inquiéter en ce qui a trait à protection scène de crime n'a. Malheureusement, en mardi, nous apprenons que yo cassé Kay Maître Dorval et que la justice a arrêté deux policiers qui t'a bien charge pour sécuriser scène de crime. Pièce à conviction. Bien ça y aurait les corps du délit. Corps du délit, hein, c'est tout ça qui fait partie de Zaksa qui était fait là, toute pièce, tout matériel qui était utilisé. Nous-mêmes, dans nos Dorval, qui avons subi des menaces. Et nous, par contre, côté au sorti, sauf que nous avons demandé pour le gouvernement, pour la police, pour la justice, prendre responsabilité dans le cadre de ces saillots. Dans ce sens, nos Dorval renouvelé engagement. Nous avons demandé justice pour Maître Dorval, que a assassiné dans la date qui était 28 août 2021. Mandez justice pour Grégory Saint-Hilaire. Mandez justice pour Evelyne Césaire. Mandez justice pour Isaac, comme Kiwo. Mandez justice pour tout le monde qui est victime en bas de kidnapping. Yo. En un mot, mandez justice pour tout le pays. Nous voyons que, comme groupe là, bon côté parler, lui mettait là une pression élastique sur le pouvoir PHTK. Mais, d'abord que, c'est joué, Jean-Louis, avec moi, avec la gabou là. Et donc, le département d'État, comme tout ça que Jovenel doit faire pour faire content, il y a un problème tout pour endosser tout ça que Jovenel a fait. Si on corrélé les ambassadeurs d'Allemagne, Brésil, Canada, Espagne, États-Unis, France, Union Européenne, représentant secrétaire général OEA, représentant secrétaire général de l'ONU, ils ont tous brassé la même chaudière. C'est même la bouillie toujours. Puisqu'ils font des variations pour dire qu'ils souhaitaient pour Haïti, l'année 2021, capable celle de renouvellement démocratique. Alors, c'est un souhait, naturellement. Mais même en même temps, ils ont sollicité une accélération des préparatifs des scrutins à venir pour que les dirigeants, les institutions du pays a urgemment publié un calendrier électoral. C'est-à-dire que, le corps groupe, ou bien les ennemis d'Haïti, un problème pour là, il y a un calendrier électoral. Que son élection pour y arriver, ticket collé ou l'élection chanvrelle, et bien de
signifie que les gens qui ont voté, il y a un problème du tout avec le résultat à passer. Je demande d'accélérer la distribution de cartes d'identification nationale. Donc, on va finaliser le meilleur de la liste électorale qui a. Et bien, nous, la semaine, ça, Jovenel Moïse débloque un pile d'argent là pour ONI. Il débloque l'argent tout. Il a un pile machine là pour ONI capable de continuer à fonctionner dans tout le pays. Adelante, pas de problème du tout sur ça. Élection tête droite, pique et coller, GPT. Et donc, élection centrale, que je vais venir pour ça passer. Est-ce que nous voyons côté que corps groupe là, yo même yo dit que pour mettre en place une loi électorale, nous voyons conseil électoral là préparé là pour mettre une loi électorale dehors. Et puis une loi que tout parti politique est capable de garantir que l'élection a fait en transparence et assurer que les conditions sécuritaires sont suffisantes pour permettre le bon déroulement du scrutin. Est-ce que nous voyons et que corps groupe là parlé de G9 qui est occupé, qui cadre le pays là? Qui l'a le corps groupe là avec les haïtiens? Adelante tête droite. Corps groupe besoin de garantir le retour d'un bandit illégal au pouvoir. Et corps groupe là n'est pas intéressé à la question des affaires gang G9 avec qui a pas de problème qui occupe quatre pays. Corps groupe n'a pas de problème à la corruption, impunité qui le pays a. Que l'élection fait en bas, coup de balle bandit armé, et après résultat, il a été compté cadavre. Eh bien, tant de tout que corps groupe là, il pas attendé, il pas attendé réel, tout pays a capté le l'amour contre l'inégalité sociale. Adelante, élection tête droite, eh bien, l'élection fait, il y a pas compté cadavre. Donc, c'est comme ça là, c'est la politique, c'est le nouvel ordre mondial là, hein, côté que nous, corps groupe là, il va être position claire pour dire que lui-même, il n'y a pas de problème du tout, tout le monde a marché très bien sur la houlette. Adelante, tête droite pour l'élection. De l'autre côté, il y a M. Ryan Caldal, c'est secrétaire général et secrétaire adjoint par intérim dans le bureau des affaires législatives du département d'État américain. Là, on l'est. En réponse, il voulait le député Frédérica Wilson. Eh bien, représentant ça, il n'a pas rien. C'est presque c'est bac qui bac bouchi, miam miam, et il dit reste là. Que c'est pour l'élection législative faite dans le pays, hein, pour des réformes constitutionnelles qui fait, je suis dans le pays qui est d'accord pour des réformes constitutionnelles qui fait, pour les affaires sécurité, hein, et du que le département d'État mandé pour permettre Dorval justice et pour arrêter le monde qui est participé dans l'assassinat avec Dorval. La question de Jimmy Barbecue Cherizier, il a demandé pour arrêter Jimmy Barbecue Cherizier, puisque j'ai participé dans plusieurs massacres dans le pays. Hein. C'est ça, oui. Et ça seulement secrétaire adjoint par intérim. Le bureau des affaires dans la cour législative, on n'est pas près d'État, lui-même lui fait compte. Donc, ceci dit que nous connaissons le dia là, le corps groupe, l'affaire Haïti, États-Unis devant, États-Unis qui occupent l'espace là. Et M. Varé problème, ou bien l'administration trop plan, jusqu'à 20 janvier Kabin là, il n'y a aucun problème du tout avec chaque question au préalable en Haïti. Et c'est là tout, nous pouvons demander tout pour le juger de l'âge, pour contrôler l'administration. Joe Biden le 20 janvier pour voir que est-ce que va faire même coup de guidon avec même politique que la Trump a mené dans le pays d'Haïti. Voilà, et merci avec tout le monde qui t'est branché pour t'es capable des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer la cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous son babis à chercher pour lui. D'accord. Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.